Mercredi 16 octobre 2024, VOA Creole dans une nouvelle édition Rendez-vous. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, nouveau développement dans la tension qui a gagné dans la relation difficile entre le Conseil présidentiel transition et Primatula, surtout après mésentente pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Moyen-Orient, Israël continue l'opération contre Hezbollah, côté les frapper quelques zones dans Beyrouth, dans le sud du Liban. Actualité électorale aux États-Unis, candidat lancé dans un coup sans frein pour convaincre électeurs indécis. Haïti, conflit entre KPTA et Premier ministre Gary Conille sous possible révocation ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis, eh bien, la prend l'autre dimension. KPTA a été convoqué mardi, donc hier, Premier ministre sous question. Yves Manuel, des détails. Moi, j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Jean Saté prévoit rencontre là effectivement faite à Emadiana après-midi entre Premier ministre Gary Conille et conseiller président yo Leslie Voltaire, Fritz Jean et Régine Abraham, seule femme dans le conseil là, à l'exception de Edgar Leblanc et Laurent Saint-Cyr qui était absent dans la rencontre là, tout monsieur dame sao té fait une seule voix pour exiger révocation ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis. Demande révocation madame Dupuyen liée selon CPTA à position ferme li adoptée concernant déportation papil et papaquette citoyens haïtiens qui a vivent en République dominicaine. N'a souligné selon une source qui était participé dans discussion yo qui parlait avec VOA Creole, Premier ministre Gary Conille pas entendre lâcher Dominique Dupuis. Nan sa sa, réunion fini sans pas gain aucune entente en deux parties selon source nan ki pa benol cité. Conseil présidentiel là cependant prévoit réunir yon l'autre fois encore avec gouvernement pour discuter de prochaine étape tant kou nomination yon nouveau directeur général nan tête direction générale impôt pendant yon conseil ministre. Cependant, conseiller yo pas d'accord pour chancelier là Dominique Dupuis ta participer dans conseil ministre. Premier ministre Gary Conille doit travailler main en main avec conseil présidentiel là dans l'idée pour capable attaquer grand défi au lieu que y aurait été dans une bataille pour influence selon un pile observateur. Moi c'est Ivan depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Pendant ce temps, chef diplomatie haïtienne, qui c'est tout ministre haïtien qui vit à l'étranger, Dominique Dupuis, by position gouvernement sous situation haïtien qui vit dans la ville Springfield, dans l'État Ohio, Gentil Augustin Junior. Est-ce que. Dans un chita parlé avec VOA Creole, dans Washington, ministre Affaires étrangères haïtien, Dominique Dupuis, fait qu'on ça qui passe Springfield, Ohio, c'est ça ou carrélé yon symptôme systémique qui existait dans un pile pays qui poko ka débarrasse yo de héritage raciste là. Expression que haïtien mange chien, haïtien mange chat, c'est pas ça pour nous garder. Parce que y a des peuples qui mangent chien, qui mangent chat. Yo pas parler de yo. C'est expression pour yo essayer de déshumaniser des monde qui viennent paraître trop tant que monde dans nouveau communauté. Comme ministre haïtien qui vit à l'étranger, li te comprendre qui problème haïtien ça yo trouvé yo. Et gouvernement agit pour faire haïtien connaître yo pas pour compte yo. C'est une question de sensibilisation, de mobilisation pour que nous décrier tentative de déshumanisation ça. Parce que tentative là a un effet néfaste immédiat sur sécurité, intégrité moun kap viv liyan, sur traumatisme que l'a créé, sur impact émotionnel que l'y a, mais il y a surtout un impact beaucoup plus sur le moyen et le long terme qui a vraiment gangréné participation moun ça et chance li pour l'ka intégrer dans la communauté, avoir dans le pays à tout entier. Ministre haïtien kap viv à l'étranger, Dominique Dupuis, te prend position publiquement après déclaration qui te lagi haïtien yon nan gros kouri nan Springfield. Et te di, le gen yon bagay inacceptable kap fait, pa doué gen compromis sous position ki doué prend. Nous va rappeler nous tout comme haïtien que nous pa doué attendre nous en combat qui beaucoup plus profond. Pas garder le seulement dans jodi, a garder le sous conséquences que l'ka gagne sur le long terme. Et c'est dans ce sens que nous avons continué à agir à travers le consulat Chicago, à travers la prise de position, à travers la sensibilisation et à travers chaque fois pour nous camper, pour nous dire nous ne sommes pas d'accord avec tout ça. Yon citoyen américain, dans la ville Springfield,
te gaye parole qui dit que haïtien a mangé chien ak chat nan mois septembre passé ya. Kek politicien te reprann li. Sa ki te vin la geyon van panik ak la perez nan mitan immigrant haïtien kap viv nan ville Springfield, Ohio. Autorité local yo pran disposition pou asiste communauté haïtien yan. Nan intégré yo nan système social ville la, tankou accès pi facile nan système santé ya. Permet yo ka fè permis kondwi yo et latriye. La Maison Blanche te même voye yon représentant al tan de communauté haïtien yan kap viv nan Springfield, Ohio. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Organisation État américain OEA a reporté rencontre l'étape organisée pour discuter sous crise dans pays d'Haïti. Responsable pas bay raison qui fait rencontre là annulée. Jean-Robert te descend dans siège organisation hémisphérique là. Tu as parlé d'une rencontre sous Haïti, c'était le conseil permanent même qui t'a annoncé pour rencontre ça pour discuter sur la situation pays d'Haïti. Mais à la dernière minute, bien rencontre ça, l'y renvoyer pour l'autre date. Mais pas de monde qui essaie d'expliquer malgré que nous essayons de contacter quelques responsables, que ce soit nous pas de cas joindre par exemple délégation Haïti à pour te donner l'autre explication, mais monde que nous contacter qui proche avec organisation, ben ils disent nous que par contre pour qui raison c'est seulement nouvelle que recevoir l'ordre qui dit que rencontre t'as pas le faire pour discuter sur Haïti à et bien quand ça renvoyer pour une autre date. Non, va plus ça va longtemps et délégation Haïti a demandé une réunion et organisation justement pour être capable de parler de situation haïtienne que République dominicaine a déporté yo et justement pour être demander une attention spéciale pour être et demander autorité dominicaine yo pour être bien traité et déporté haïtien ou bien haïtien le a déporté en Haïti et peut-être respecter tout accord que Haïti gagne avec République dominicaine et même accord qui gagne même que organisation prévoit même dans cas y a déporté monde ou bien encore réfugié. Donc situation dans pays d'Haïti a lui même tout le capable dans centre discussion autour tant qu'on nécessité pour gagne mettre sous pied un conseil électoral provisoire qui gagne 7 membres qui déjà désignés mais manque 2 membres. Donc appel à plan c'est tout pour que président ou bien pour que conseil présidentiel transition lui désigne deux autres représentants pour capable mettre sous pied et conseil électoral qui c'est première étape pour nous, et qui pour franchir les pour parler de affaires élections. Donc c'est une rencontre qui envoyé et personne par contre pour qui raison exactement mais en pays attendre en pays mon attendre tout pour connaître qui les rencontres là déroulé et yon militant kap défendre droit monde qui c'est yon descendant africain en République dominicaine dénoncé déportation haïtien. Sandra Lemaire. Yon militant kap défendre droit afro-descendant yo déclaré mesure République dominicaine annoncée dans commencement mois d'octobre là pour déporter jusqu'à 10 000 migrants par semaine, c'est un coucou rouge contre moun noir. Les priorités à la sécurité République dominicaine. Après ça, on a expliqué. Si nous obligés par explication, pour qui ça n'a pas fait, mais nous pas obligés expliquer loi immigration qui fait partie fondamentale tout pays. Maribel Nunez critiquait traitement migrants haïtiens à recevoir dans le centre de détention Haïna, dans Santo Domingo. D'après lui-même, il a déporté mineurs pour contre sans monde qui est responsable. Et que même Dominicain noir joue une arrestation sans possibilité pour libération. Lidio Dim, Mounio voyait une façon injuste dans son vacation. Haïna, sa cap déroulé en dedans, horrible. Yo déporté ti fils sans famille, ti moun. Dominicain noir dit yo mette famille en prison. Yo passé plusieurs jours là, malgré yo gen document qui mande libération yo et yo pas lagué yo. Gouvernement dominicain a blâmé Haïti pour carreau à crime et plutôt insécurité qui gagne en République dominicaine. Lydie Lifine perdit patience à progrès lent mission sécurité internationale qui gagne comme but pour aider Haïti gérer crise là. Nations Unies mandé pays dans la région pour y suspendre déporter Haïtiens à cause situation dangereuse qui existait dans le pays. Si République dominicaine poussait pour plus devant à plan liant, quantité moun ni déporté à Nessa a augmenté 17 hauteurs pour arriver plus passer 200 000 Haïtiens que les déportés par la force.
vice-amiral Lee Ballester, c'est directeur migration dominicani. Il dit communauté internationale a appuyé Haïti, il voyait ressources par Haïti, mais il faut qu'il garde la République dominicaine tout et puis aider la République dominicaine parce que le processus ça a coûté pays à un pile d'argent et malheureusement nous pas responsables. Seule responsabilité nous gagnons c'est que nous partageons les idées. Entre dans le pays d'Haïti, conflit gagne la cause, plusieurs milliers de monde mourit et puis plus passé 700 000 obligés courir quitter Kayo. Toujours sur le même dossier haïtien, déportation haïtienne en République dominicaine, Steven Aristide te fait un coup de pied sous frontière Haïti partagé avec République dominicaine. Depuis après déclaration président dominicain Luis Abinader te fait, pour te annoncer chaque semaine, n'a déporté pour plus petit 10 000 haïtiens qui vivent illégal dans la République dominicaine. Chaque jour, c'est plusieurs dizaines de monde frontières haïtiens qui apprécient dans l'immigration pays voisin. Là, nous sous frontières Waname, haïtiens tout l'âge, descendent machine immigration. Il y en a qui parlent avec nous et qui dénoncent mauvais traitements au bayou. Ils ont tout profité de partager l'expérience avec nous. Pour juste qu'on y a, autorité haïtienne beaucoup réagit sous déportation massive, ça. Pendant gang continue à s'y mettre la tout dans Port-au-Prince, en pile haïtien qui était décidé à lever Saint-Domingue pour insécurité, trouvé une obligation pour retourner dans le pays, ya. Yon choix qui compliqué pour un pile dans yo. Moi, c'est Steven Aristide, depuis Ville-Ouanamet, pour VOA Creole. C'était quelques grands points qui ont dominé l'actualité concernant le pays d'Haïti. Plus nouvelles, l'entourne. L'actualité électorale là aux États-Unis, candidat yo lancé yo dans une course pour convaincre électeurs indécis. Valéo Saint-Louis. État Nevada a une population de 3,1 million de monde. Li probablement plus bien connu pour Las Vegas, qui c'est ville qui plus populaire dans l'État. Une ville qui aurait les tout Sin City en anglais. Tom Reilly, c'est un professeur et un expert en démocratie et citoyenneté dans l'Université Arizona. But they're a bit of a paradox. I mean, they're seeing. Li yuti jan ke paradox. Moi vle di yo wè li comme peut-être un État libéral dans plusieurs sens, parce que c'était premier État qui était vraiment poussé pour passer loi sur divorce sans faute. Li gen jwèt hasard dans certaines communes. Li permet prostitution, mais État a gen tout yon aspect très très conservatif dans yon certain sens. État Nevada te voté républicain dans fin année 1960 yo jusqu'à commencement année 2000 yo. Depuis le ça, État a régulièrement balancé entre deux partis politiques yo. Population Nevada augmenté, li triplé depuis année 1980. En pile moun ki fèk vini dans État, yo soti Californie, qui en majorité libéral. Ça qui arrive, c'est commune Clacla qui c'est commune côté Las Vegas Chita, où il y a 72% population qui gagne droit pour voter dans l'État ça. Et donc ça qui arrive Nevada, c'est que l'été une fois un état section rurale qui vient tourner un état urbain. David Cardenas qui c'est un étudiant collège dans l'État Nevada, te fait remarquer politique divisée qui gagne dans l'État. There's Vegas and then there's the rest of Nevada. Gen Vegas et puis après ça gen reste Nevada. Et selon connaissance moi, Vegas gen tendance sous bord démocrate là. Tandis que reste là dans Nevada, c'est plus tendance républicain. Mais puis fond dans population c'est dans Vegas yoyé. Malgré explosion population, Nevada rete yon état côté que grand pile travailleurs avec un pile résident qui a fait travail manuel. So things like bagay tan kou salaire, bagay tan kou chômage, bagay tan kou logement abordable, juste inflation en général. C'est comme ça bagay tan kou prix gaz, tout bagay ça affecté moun yon ti kras pi plus la nan Nevada. Élève collège nan Université Nevada ki nan Las Vegas te décrit problème principal yo. Gen kek ki pral voter pour premier fois kounya ke yo rive nan l'âge pou yo voter à 18 ans. Definitely abortion. Définitivement avortement, définitivement économie. Ki l'autre bagay? Education as well. Etat économie, probablement juste problème frontière.
kind of broke moi c'est un jeune qui rase qui dans université moi t'as juste rien capable joindre moyen pour me payer pour manger moi t'as même un seul travail qui paye assez pour aider à tout besoin moi yo. Nevada joue un rôle important comme état champ de bataille, c'est peut-être ça tous des candidats présidentiels yo. Donald Trump avec vice-président Kamala Harris a passé temps yo ici là parce que finalement ça qui passe dans Vegas t'as capable déterminer qui monde qui pourra diriger les États-Unis pour prochain 4 années. Reportage Dora Mikouar pour VOA News Las Vegas. Adaptation créole Valerio Saint-Louis pour VOA Créole New York. Jeudi mercredi, c'est funérailles Itel Kennedy, madame défunt sénateur Robert Kennedy, en présence de quelques anciens chefs d'État tankou Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush. Membre famille Kennedy a été déjà rassemblé avant hier lundi pour cérémonie privée dans l'église Our Lady of Victory dans Centerville, Massachusetts. Itel Kennedy, que considéré comme doyen famille, t'a fait éducation 11 timoun après assassinat Maril et il t'a dédié la ville pour œuvre sociale et héritage familial. Il mourit jeudi qui se passait là, il t'a gagné 96 ans. Rendez-vous info programme VOA Créole qui passait chaque jour sorti lundi pour arriver vendredi. Groupe Croissance clôturé jeudi mercredi à 14e édition sommet international finance là qui déroulé pendant 3 jours dans Port-au-Prince. Renan Toussaint a banou un compte rendu depuis Port-au-Prince. C'est depuis environ 2019-2020. 14e sommet international finance là déroulé pour l'année 2024 là sous thème financer économie haïtienne à partir investissement direct diaspora IDD. Président groupe Croissance, économiste Kester Farrell, dit puisque investisseurs étrangers pas qu'à venir investir en Haïti à cause problème insécurité a jouet là pour diaspora haïtienne surtout pour si là yo qui dans zone Amérique du Nord. Le 4 milliards de dollars mais 1.4 à 1.5 à l'autre côté de Marine du tout service. Ah ouais. République dominicaine. Pour faire qui ça? Acheter manger, bah ouais. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas faire manger, nous ne pouvons pas même état dominicain? Donc, ça, nous avons demandé là, c'est que, en regardant, là, 5 millions de monde aujourd'hui, qui est en termes d'insécurité alimentaire là, mais, en regardant comment nous pouvons faire manger. Mais pour nous faire manger, nous avons besoin de ressources humaines, donc, agronomes, dans pile faculté d'agronomie dans le pays aujourd'hui, et, il faut rien comme, terre là. Donc, nous, diaspora, regardons, 1.4 milliard de dollars, cap flané là, donc, comment nous sommes capables d'organiser nous, entreprises locales, et pour attirer l'argent et pour capable prendre au moins 1.4 milliard de dollars avec ça. Donc on pas grand dit mon yo pas voyer comme transfert non parce que transfert c'est pour mon yo capable aider famille. Maintenant c'est comment on va prendre l'argent sans bénéficier. C'était occasion pour plusieurs dizaines d'entrepreneurs et étudiants université majoritairement jeunes te répondre présent dans la 14e édition sommet international finance là sur question et finance et technologie et notamment sur question et budget et sommet en permet nous ouais et motivation et gouvernement par rapport avec le budget 2024-2025 là ça dit moi pas gagner chiffre sur croissance négative que Haïti a connu depuis plusieurs décennies, avec un peu de présentation qui fait, qui va nous parler du panorama économique haïtienne. Pendant 3 journées, hein, lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 octobre, ça, te gen plusieurs panels sous différentes thématiques, sous politique monétaire, croissance annuelle, marché assurance en Haïti, enjeux et perspectives, budget citoyen, injustice fiscale et injustice territoriale et diverses lots. Activité dans le business haïtien yo dans Princeville Ohio baissé y a fait mauvais la vente après dernier climat la pérèse qui frappait communauté haïtienne au bed l'ami. Plusieurs business haïtiens dans Springfield a fait mauvais la vente dernier jour ça yo à cause d'un climat la pérèse qui frappait communauté a. Là nous devant Plaza ça dans zone Sid Springfield, il y a un espace qu'on occupe plusieurs business haïtiens. Gagne un restaurant, y a un barbershop et même y a l'église. Nous avons quelque chose à parler avec le responsable barbershop là, qui expliquait nous comment l'activité a ralenti depuis quelques jours. Pour une journée, on a 50 ou 60 customers. Quand on vient, il y a un peu de monde.
Ah, bon, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas faire un peu de cheveux là. Non. Il est en bon, ouais. Il est en midi 56 pour faire une heure. C'est même son clochatou dans quelques bons goûts qui est un des seuls restaurants haïtiens qui est dans Springfield. Haïtiens, on a plus force à pied au marché. On vient à pied en foule. Vin acheter manger là, mais qu'on est au pas venu, il est presque pas, il pas venu, parce que quelques grand monde qui gagne machine qui venu, cause bah là qui passe là, mon yo vin pas marcher. Quelques bons goulou vous porte depuis seulement 6 mois, et laisse à qui te dit, il était convenu pour jusqu'à $2,000 chaque jour, mais qui j'en a vendu l'année journée jeudi hein. Ma femme vend pour 700, 600, 800 à la rigueur. Mais dans mitan calamité ça, il y a plusieurs citoyens américains qui croient nécessaire pour venir porter renfort by business haïtien yo. C'est conviction ça qui pousse quatre mesdames ça yo conduire machine pendant presque 3 heures de temps, sortir dans ville avec état côté yo habité juste pour venir goûter manger haïtien pour première fois dans quelque de bon goût. Nous te voulons venir supporter et montrer tout, c'est pas nous toutes qui fanatiques Trump. Il y a pile monde yo qui vraiment supporter immigrants yo. Et qui supporte Kilti qui est différent. Ah, c'est un geste de solidarité qui fait qu'Etli sourit. Il vraiment mettre nous contents. Parce que si vous venez, vous venez supporter nous, vous aidez nous avec l'économie. Obed Lamy, pour VOA Creole depuis Springfield, Ohio. Ministère de l'Éducation nationale et Fonds national éducation FNE inauguré deux écoles fondamentales dans Rankit et dans Dondon dans le département Nord. Depuis Villocap, Gérard Maxino. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, dans tête collée avec Fonds national éducation FNE, inauguré deux écoles fondamentales dans la localité Wa et Matador dans la commune Rankit et Dondon dans le département Nord PIA. D'après DG FNEA, Jean-Ronald Joseph, c'est grâce à Dola Seca Diaspora qui permet de bâtir l'école Sayo, ça qui rentre dans le cadre de renforcement système éducatif. Là. Nous jouons un fonds à partir de centimes sur les appels internationaux et $50 sur transfert international, là, qui est en majorité dominé par Diaspora. Et c'est une façon tout pour nous capables de remercier Diaspora et en même temps de contribuer dans le développement économique à travers l'éducation. Le bâtiment nous a gardé là, nous avons inauguré, il coûtait Fonds national de l'éducation $52,277,137.64 qui permet la construction de ça, il est fait là. Ministre de l'Éducation nationale, là, Antoine Augustin, tu as profité de remercier FNE pour travailler ça parce que selon lui, éducation joue un gros rôle dans le changement et le développement du pays. Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier FNE pour le travail là. Et parce que journée aujourd'hui, tout pays qui font un petit pas en avant, c'est l'école. Et si vous regardez bien, vous pensez dans chaque famille, qui gagne, yon professeur, yon ingénieur, yon pasteur, yon prêtre, yon sociologue, yon infirmière. Gonti pa qui fait en avant, gonti kop qui rentre dans kay la, mais toute famille qui bagay moun ki kon li. Famille nan plongé dans le désespoir, la superstition et le sous-développement. Tout des cérémonies sa ote déroulé en présence professeurs, élèves, parents ak notables nan des communes sa yo. Responsabilité profiter distribuer kits scolaires by élèves l'école Sayo. Gira Maxino Kabaïsien pour la Voix de l'Amérique. Vous faites bon choix, vous branchez VO à Creole, n'a pas mettre depuis Washington. Au réseau avec Fred Kainit. Un réseau bien network en anglais, c'est les deux ou soit plusieurs ordinateurs ou bien l'autre appareil électronique connecté et à communiquer ensemble tant qu'une une a fait boucanta information à l'autre. Ordinateur sur un réseau qui a connecté à travers câble, ligne téléphone, onde radio ou soit satellite. Il y a plusieurs types réseaux tant qu'une LAN, WAN, ACMAN.
Modèle réseau qui est populaire, c'est LAN à RAN. LAN qui est défini Local Area Network en anglais, c'est un réseau qui est fait pour espace qui est petit, un laboratoire, l'école, appartement, bibliothèque. WAN qui est défini Wide Area Network en anglais, c'est un réseau qui connecte plusieurs réseaux dans plus grand espace. Tant qu'un réseau qui est Floride, capable de connecter à quel que soit l'autre réseau dans le monde. Là. Connexion capable de faire à câble ou bien satellite. Nous arrivons pratiquement à la fin du programme. Avant de nous aller, nous t'arrêtons de parler de Sophie Solivo, une musicienne qui jouait harpe. Oui, Sophie jouait harpe. C'est un instrument spécial qui est un petit genre drôle. C'est un instrument qui est entre basse et batterie. Elle joue une place depuis la première note. Sophie Solivo, pas seulement harpiste, mais elle est chanteuse tout. Elle fait partie 10 finalistes prix musical Joséphine hein, grâce à premier album ni qui relait Initiation. Un journal intime côté eh ben ouais toute bagaille dans place. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Passez une bonne fin de journée, moi c'est Jacques Lebelissel. Yo mandé enragé. Yo mandé déchaîné mes amis. Parce que yo dit fuck tête madame Dominique Dupuis coupé, ça veut dire que fuck yo révoquer Dominique Dupuis et même révoquer écraser gouvernement Gary Conille. Et Gary Conille côté pas lui-même. Monsieur sémanté que madame Dominique Dupuis li pa fè ron pot, li pa fè yon pakita et yon panago, c'est en tant pour joindre entre gouvernement et puis KPTN pour avancer avec transition. Et que gros menace qu'a fait là. Gè gros bataille, gros menace qu'a fait entre gouvernement et puis KPTN. Mais moi-même, pigo question que me posait tête moi. Dans toute sa gueule là, qui côté que peuple haïtien lui-même lié? Qui côté peuple haïtien lui-même lié, je dis hein? Parce que d'après toute information que moi gagné moi-même, lui Gérald Gilles et trois conseillers qui impliqués dans scandale corruption. BNC1, qui c'est Emmanuel Bertillère, Louis Gérald Gilles et Smith Augustin, ils ont demandé clairement révocation de Dominique Dupuis. Et ils ont demandé tout pour que c'est KPT, Conseil présidentiel transition, pour que c'est lui-même qui gagne ministère régalien. Eh bien, samedi, avait dit que yo besoin retirer yon bon parti nan pouvoir nan gouvernement et sous contrôle Gary Conille yo besoin que c'est KPT a li même bon côté pal qui pou gen sa rele gouvernement en entier nan men. Par exemple ministère intérieur que Gary Conille a occupé poste li, ministère justice que c'est Gary Conille qui mette ministre justice Maître Carlos Hercule, ministère économie finance que c'est Gary Conille qui mettait ministre économique finance là, madame Kathleen Florestal, ministre et affaires étrangères, à la fois ministre haïtien vivant à l'étranger Dominique Dupuis, ministre planification Kathleen Florestal. OK, eh bien ensemble de ministères régaliens ça yo, ensemble de ministères clés ça yo, eh bien KPT hein, nèg yo monsieur dame yo dit yo a retiré ministère sa yo nan men Gary Conille et c'est KPT qui pour nommer moun nan ministère sa yo. Et dès que yo mandé et yo dit Gary Conille clairement d'après ça que m'y comme information nèg yo dit Gary Conille clairement si que li pa accepté, si yo pa li pa accepté. OK. Si que Gary Conille pas accepté pour que yo révoqué
ministre de l'Éducation, si yo, si li pas accepté pour que ministère régalien yo que yo changé yo et c'est capé ta de contrôle yo, yo di ga ekoni wap tombe. Yo di ga ekoni wap révoqué et ap crasé gouvernement. Mes amis, ça qui là, ça qui vient joindre nous là, jodi a peuple haïtien, moi vle di nou clair, calvé nous, souffrance nous, calamité nous, à peine commencé. OK? Calvé nous, souffrance nous, à peine commencé, parce que jodi an, quel que soit le TKPT, conseil présidentiel transition, quel que soit le gouvernement Konin qui l'a, yo youn pa régler les affaires pays. Bien que gen moun ki plus ou moins ouè que volonté que PM ga Koni gagne, yo plus ou moins ouè que volonté que madame Dubuis gagne. Nan jan ke la représente Haïti et nan niveau international nan, moun yo plus senti ke jodi an bayo madame Dubuis bayo Gary Conille au lieu que neuf conseillers sa yo nan mitan ki ke trois volets selon pile moun selon ULCC on dit bien selon ULCC qui a trois braquets selon ULCC, qui a trois raquettes selon ULCC, on dit bien, l'ENAP dit que trois conseillers, le Gérald Gilles, Emmanuel Bettiller, Smith Augustin, yo c'est trois raquettes, trois volets, trois braquets, faut citer ULCC, parce que c'est rapport ULCC, qui clairement dit que trois mounsayo, qui yo impliqué dans scandale corruption, yo impliqué dans 100 millions de goud que yo t'ai demandé avec et ancien président BNC1 monsieur et Raoul Pascal Pierre lui et ULCC produit rapport et li montrer que nèg yo t'ai 4 et de crédit li montrer que mais qui l'est mais qui joue mais qui moment que nèg ça au fait dépenses yo acheté qui donc je dis hein et ULCC même mandé pour que yo mette action publique en mouvement contre trois et conseillers raquettés braquet volé ça yo que c'est pas moi même moi n'est que à répéter ULCC on comprend et je dis hein n'a même quel que soit mon dim OK n'a même quel que soit mon dim. Est-ce que sous ces volants capable juger voler pareil ou? Et moi ma question ça. Est-ce que sous ces volants est-ce qu'on capable juger voler pareil ou? OK. Et si conseil présidentiel yo tous les neuf conseillers yo. OK. Si neuf conseillers et pas bagay raquette yo t'ap réglé en dedans conseil là après rapport ULCC est-ce qu'on connaît que conseil là t'a dû voyer trois nèg ça aller yo t'a dû mandé trois nèg ça pour démissionner OK yo pas t'a dû même siéger avec yo et encore plus, conseil président de cette transition, l'État doit écraser. Parce que, comme il dit, moun ke ou fréquenté, c'est lui-même ou yé. Moun ke ou fréquenté, c'est lui-même ou yé. Ça veut dire que si l'autre six conseillers, yo, il a accepté siéger, il a accepté réunir, il a accepté travailler
avec trois conseillers qui impliquent dans ce scandale corruption BNC, c'est que yo même tout, yo c'est six raquettés à noter, n'a retiré Edgar Leblanc fils parce que Edgar Leblanc fils pas jamais siégé avec les yo et Edgar Leblanc fils jusqu'à présent que li reprend carrément dans conseil là, mais li boko jamais chita parler avec les yo. Et est-ce que nous connaissons lui Gérald Gilles, monsieur persuadé, faut qu'il révoque, faut qu'il crasse le gouvernement Kounian, d'après l'information que nous avons. Monsieur demande clair, crasse le gouvernement Kounian. Alors, ce que, par contre, si nous songeons que, les que PM Gare Kounian, les que t'es accompagné avec conseiller lui Gérald Gilles, les ont visité l'hôpital général dans le moment que t'es qui t'es chanté en bas. Vous avez pas ça? Est-ce que nous songez pas ça? Et qui est-ce qui allait même plus loin? Dans le moment que Gary Kony et lui Gérald Gilles ont étudié dans la faculté de médecine, à l'époque, la valasté sous Bézigny. Et n'est-ce toujours eu des problèmes en Gary Kony avec lui Gérald Gilles. Depuis les négociés étudiants dans la faculté de médecine. OK? Depuis les négociés étudiants, oui? Dans la faculté de médecine, n'est-ce pas de jambes dans ce collège.